Peut-être certains parmi vous me reconnaissent-ils? Je suis le Suisse d'Église, en charge de l'ordonnancement des cérémonies. Baptême, mariage, enterrement, procession. Je marche devant le cortège et gare à celui qui en trouble la bonne marche. Il pourrait recevoir un coup de ma lourde canne. Comme mon nom l'indique, je suis vraiment suisse. C'est le roi Louis XV qui a décidé d'envoyer les soldats suisses de son armée, lorsqu'ils étaient démobilisés pour invalidité, dans les paroisses de son royaume, en vue d'en assurer le gardiennage, la police et le service d'honneur. À la charge des paroissiens, bien sûr. Mais c'était ça ou rentrer en Suisse sans le sou. Je porte toujours mes tenues du XVIIIe siècle. Redingote grise pour les jours ordinaires, habit rouge, comme aujourd'hui pour les grandes cérémonies. J'abandonne le tricorne après la Révolution pour suivre la mode et adopte le bicorne que coiffent nos gendarmes. Je peux porter l'épée, la hallebarde, par privilège royal. Après tout, je suis là pour assurer l'ordre. Après les guerres napoléoniennes, la fonction de Suisse va progressivement être confiée à des civils. Mais venons-en aux choses sérieuses. Je vous laisse entre les mains du père abbé, le responsable de notre belle abbaye. Bienvenue en notre abbaye bénédictine en cet an de grâce 1117. Chers frères, chères sœurs, je suis Don Isambeau de l'Étoile, père abbé de l'abbaye et frère de Pierre de l'Étoile, qui vient de créer, tout près d'ici, l'abbaye de Fougombeau. Lorsque j'en ai pris la tête, l'abbaye abritait plus de 30 religieux et nos revenus étaient alors suffisamment importants pour envisager la construction de la nouvelle église dans laquelle vous êtes, qui est et qui restera une des plus grandes églises romanes de Touraine, avec une longueur totale de 30 toises, soit 57 de vos mètres, et une hauteur de nef de près de 9 toises, soit 17 mètres. Pour y remédier et éviter l'effondrement, il a fallu tout de suite, à la construction, prévoir des arcs doubleaux, ces arcs que nous voyons, qui s'appuient sur les piliers. Ce sont des renforts, et on a fait la même chose dans les deux collatéraux. Ceci n'a pas été suffisant. Au fil des siècles, il a fallu rajouter des renforts extérieurs, des contreforts, et puis des arcs moutants. Mais je ne suis pas très inquiet, je suis sûr que cet édifice du XIIe siècle arrivera jusqu'au XXIe siècle encore debout. Preuve que nous ne construisons pas si mal. Il faudra l'apparition d'une nouvelle technique, que vous connaissez bien sûr. Nous sommes dans le roman,
et va voir apparaître la technique, la croisée d'ogives. C'est une révolution. Elle est déjà arrivée en France à l'époque, mais pas en Touraine. Nous sommes un petit peu loin des centres de décision. Grâce à elle, en allégeant le poids de la voûte, on va dépasser les 17 à 20 mètres qu'on pouvait faire avec des voûtes romanes, et on va atteindre 30 mètres, puis 40 mètres. La plus grande cathédrale du pays approchera des 50 mètres. Chers frères, chères sœurs, je vous donne rendez-vous dans quelques instants en mon logis pour vous parler de notre ordre des bénédictins. Maître des cérémonies, je vais vous donner quelques informations pour le bon déroulement de notre visite nocturne. Notre groupe sera encadré par les gendarmes ici présents, dans leur tenue de 1885. Surtout, suivez bien leurs directives, car nous allons passer par des rues ouvertes à la circulation des calèches et autres diligences. Vous rencontrerez des personnages historiques. Écoutez-les bien, car tout ce qu'ils vous diront est historiquement exact. À une exception près, je vous laisse deviner laquelle. Nous serons accompagnés durant notre marche par les talentueux trouvères du Val de Claire, qui interpréteront chants et musique du Moyen-Âge et de la Renaissance. Notre visite durera environ une heure et demie et se terminera devant la poterne du château autour de spécialités régionales. Comme nous sommes nombreux, vous pouvez le constater, notre groupe se divisera en deux après le moulin. Ne vous inquiétez pas, tout le monde verra l'ensemble du spectacle. Alors maintenant, vous allez me suivre. En commençant par les premiers rangs, pour vous montrer le chemin, les rangs suivants emboîteront le pas. Mais attention aux coches et cavaliers qui sillonnent nos rues. Nous voici maintenant au cœur de notre monastère, fondé par Effroi, baron de Preuilly, et son épouse Béatrix d'Issoudun, au passage de l'an 1000. Une période de forte inquiétude pour le monde chrétien. Selon la règle édictée par Saint Benoît, notre ordre vit retiré du monde. Le monastère est donc constitué de telle façon qu'on y trouve tout le nécessaire pour vivre. Des logis, ici le mien, au-dessus le dortoir des moines, qui surplombe la salle capitulaire de l'autre côté, le scriptorium à ce niveau, et le cloître qui commence ici et jusqu'à la fin du bâtiment de l'autre côté. Mais aussi de l'eau, un moulin comme vous pouvez le voir tout à l'heure, un jardin, des ateliers. Mais vous ne connaissez peut-être pas très bien notre ordre des bénédictins. Fondé au VIe siècle, il s'est propagé dans tout l'Occident depuis sa création. Le royaume de France compte actuellement plus de 200 monastères et 20 000 prieurés. De mes frères, rien ne me distingue. Nous portons tous cette ample coule noire à capuchon
qui nous a valu le surnom de frères noirs. Notre organisation est hiérarchique, avec à la tête du monastère moi-même, l'abbé, père spirituel de la communauté, élu par mes frères. Je suis assisté du prieur, des doyens, du célérier, l'économe dans votre langue, du camérier ou chambellan, chambellan en anglais, enfin chamberlain si vous préférez. Il est chargé des finances et des titres de propriété. Et le sacristain qui veille sur les ciboires, calices et autres vases sacrés. Je suis soumis à des inspections par les visiteurs. Non pas le comte de Montmirail ni Jacouille la Fripouille, non, non. Ils sont de notre époque, mais... Non, non. Les nôtres sont en mesure de me destituer si notre monastère ne respecte pas la règle de l'ordre. Mais, vous en connaissez un, j'en suis sûr. Quelqu'un a une idée ? Cherchez un peu. Guillaume de Basquerville, alias Sean Connery, dans Le Nom de la Rose. Vous savez, cette sombre histoire où les moines qui sont retrouvés morts ont le doigt attaché de noir. Mais, je vous rassure, dans notre monastère, les affaires ne sont pas aussi noires que notre coule. Je vous propose maintenant de vous rendre dans une dépendance très très importante du monastère, le moulin banal, où l'un de mes successeurs vous décrira dans le détail la nature de nos ressources. Vous allez pouvoir suivre notre Suisse et les gendarmes qui vous mèneront à bon port. Bonsoir, chers visiteurs, en cette année 1370. Oyez, oyez, chacun d'entre vous.
Je suis Dame Griselda, l'épouse du maître meunier de ce grand moulin, dépendant de l'abbaye de Preuilly, à qui nous versons donc un droit de moulinage. Bien sûr, nous sommes des personnages importants, voire même incontournables, puisque tous les fermiers doivent faire moudre leurs grains ici, en payant une redevance appelée ban ou banalité, dont l'essentiel revient à l'abbaye. On nous dit riches, parce que nous aurions tendance à perdre un peu de farine en cours de route. Oh, si peu, si peu. Et certains affirment même, oh, que les meunières auraient la cuisse aussi légère que leur farine. Oh, 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 sottise que tout cela, sottise. N'oubliez pas que nous exerçons un métier dangereux. La farine mélangée à la poussière étant très inflammable. Oh, au feu, au feu, au feu, catastrophe. Et que dire de nos poumons avec cette farine? Ah, nous le méritons donc bien, notre petit pécule. Et tant pis pour les mauvaises langues et autres jeunes. Comme vous le savez certainement, pour faire un moulin, il faut construire un barrage sur une rivière pour retenir l'eau et en dévier une partie vers un canal appelé le bief. Et ici, à Preuilly, nous avons deux biefs, car notre moulin est très important. Un bief de ce côté-ci du moulin et un autre de l'autre côté du moulin. Chaque bief alimente une chute d'eau qui fait tourner la roue du moulin, entraînant le mécanisme de broyage constitué de deux meules, l'une fixe et l'autre mobile. Ces lourdes meules faites de pierres tendres, le tuffeau de notre belle Touraine, ne dure que 2 ans. Il est inutile de vous dire que leur changement n'est pas des plus simples. À mon époque, au XIVe siècle, le grain ne passe qu'une fois entre les meules. De ce fait, la farine est extraite de façon très incomplète. Le reste part avec le son et constitue les issues considérées comme toxiques et réquisitionnées par l'abbaye pour nourrir leurs porcs. Bien dommage pour nos fermiers, mais bon, ce ne sont pas eux qui décident. Bien sûr, notre moulin va évoluer au cours des siècles qui nous séparent, vous et moi. Inutile de vous dire que celui que vous voyez n'a plus grand chose de son état d'origine. Que voulez-vous? Le modernisme est passé par là. Eh bien, au revoir, chers visiteurs du 21e siècle. Je vous laisse en compagnie du père abbé, qui va continuer de vous parler de ce 14e siècle. Vous avez rencontré tout à l'heure mon lointain prédécesseur Isambeau de l'Étoile. Je suis Don Guillaume, 29e abbé de ce monastère. Il a reçu de ses fondateurs de nombreuses terres,
mises en fermage. Aussi a-t-il bien fallu se doter d'un moulin banal et d'un four banal pour transformer les récoltes de nos paysans. Dois-je vous rappeler que je détiens sur les terres de l'abbaye les mêmes droits seigneuriaux que le baron de Preuilly a sur les siennes. Haute et basse justice, collecte des redevances dues par les habitants et elles sont nombreuses. La taille, la dîme, 1/10 des récoltes que nous stockons dans notre grand joumoine tout près d'ici. Les corvées. 4 à 8 jours de travail dû par chaque homme. Depuis peu, la gabelle, vous savez, l'impôt sur le sel. Et les banalités qui sont payées pendant le transit des marchandises par ce pont du moulin qui est le pont principal du village. Le mot banalité va rester dans votre langue d'ailleurs pour désigner quelque chose de très très commun, très habituel. L'abbaye détient aussi le droit de pêche sur le cours de la Claise qui traverse ses terres. Vous imaginez bien que toutes ces taxes sont très lourdes à supporter par les paysans qui constituent 90% de la population. Mais il y a tout de même une contrepartie. Le seigneur, baron ou abbé doit protection contre tous les risques, les brigands, les troupes ennemies et assistance en cas de famine. Ce système va fonctionner tant bien que mal pendant près de 2 siècles, alors même que les relations entre l'abbaye et le baron n'ont pas toujours été au beau fixe. Construire un moulin coûte très cher. Seul un seigneur ou une abbaye en a le moyen. Mais leur arrivée va constituer un formidable facteur de développement économique en libérant du temps de travail pour les travaux des champs. Las, les temps sont durs et Preuilly vient de connaître ces 20 dernières années une série de calamités. Vous allez en apprendre davantage tout à l'heure à la poterne du château. De même, un de mes successeurs va connaître de sérieux démêlés avec un certain baron, mais ça, c'est une autre histoire. Et elle vous a été contée, je crois, l'année dernière. Je vous propose maintenant de poursuivre votre visite. L'aventure vous attend là-bas, au coin de la rue. Bien, voilà des visiteurs que je n'attendais pas. Je vous souhaite bonsoir en ce 3 août 1968. Mais n'espérez pas faire bon vent. Je n'ai pas eu le temps de rentrer des casiers de bouteilles. Les potes sont passés par ici et n'ont laissé que des cadavres. Regardez. Je vais commencer par le commencement et me présenter. Je suis Jean Grélo. Les vieux Preuilliens me connaissent bien. Je suis natif de Preuilly et un des membres fondateurs du musée La Poterne, où nous allons tout à l'heure, avec mon ami Roger Lezeau. Nous voici ensemble, je suis assis à gauche. J'ai fait toute ma carrière à Paris, essentiellement aux Folies Bergères. Et ça m'a donné l'occasion de côtoyer et même de tutoyer Joséphine Baker. Regardez-la, elle va venir avec sa célèbre ceinture de banane. Mignonne, non? Mais nous ne nous racontons pas d'histoire. Si je suis un peu connu, c'est parce que j'ai un frère célèbre. En 1968, Jacques Grélo, le chansonnier du théâtre des Deux Ânes à Paris, que tous les Français écoutaient il y a quelques années avec ravissement le dimanche midi, commentait l'actualité à la TSF, comme on disait à l'époque, avec son comparse et beau-frère Robert Rocard. Écoutez-les.
Savez-vous ce que c'est qu'un artabanisme? Ah oui, un artabanisme, c'est un lieu commun, une expression toute faite, bien pratique pour alimenter la conversation. Oui, la conversation des gens qui, justement, n'ont pas de conversation. Et artabanisme, d'ailleurs, vient de la locution « fier comme artaban ». Voilà, alors le jeu consiste à illustrer un artabanisme au pied de la lettre et à le présenter ensuite avec prière de l'identifier à un esprit brillant. Oui. Vous avez compris la règle du jeu? Oui, oui. Voulez-vous que nous jouions maintenant? Vous avez un esprit brillant sous la main? Parfaitement. Vous? Vous me flattez. Mais non, pas du tout. Quand je dis Grélo est un esprit brillant, je l'approuve que dans la conversation, je n'ai pas recours aux idées toutes faites et aux lieux communs. Dire Grélo est un esprit brillant, c'est une chose qui ne viendra à l'esprit de personne. Je n'insiste pas au plaisir de vous les citer. Jacques d'abord, petite leçon de savoir-vivre. Arriver tous les jours au travail avec une heure de retard, c'est un signe de ponctualité. Ou bien Robert, comment devenir sans... On va tout de même pas rentrer à pied. Ou encore, je boirai du lait quand les vaches mangeront du raisin. Écoutez-le. Moi, quand j'ai bu, on voit pas quand j'ai soif. Tu trouves ça normal, toi? Moi pas. Chaque jour, t'as 30 morts sur la route. Moi, je roulais sur le trottoir. Une plante carnivore peut pas être végétarienne. Ça, je crois, quoi. Sûrement, quoi. Non, c'est sûr, c'est... Non. L'alcool aide à dire des conneries. Et non, qu'est-ce que tu crois? On se tairait. Et puis, Jean Carmé a lui aussi invité ses potes. À commencer par Gérard Depardieu. Mais n'anticipons pas, en cette année 1968, c'est encore un galopin de Châteauroux. Russe? Russe? J'ai entendu russe. Mais non, Berrichon, tout simplement. Vous connaissez mal votre géographie. Qui fait les 400 coups jusqu'à ce que le cinéma ne l'ouvre les portes de la gloire. Inutile de vous dire que quand les Parisiens s'annoncent, il faut faire rentrer le pinard. Que du chinon et du bon pour ces messieurs. Je vais le chercher chez Gégène de Serre à Cravant-les-Coteaux. Un viticulteur que m'a fait connaître mon garagiste, le jeune Robert Davot, qui habite juste en face, et je crois bien qu'il est là d'ailleurs. Voilà. L'ambiance est alors chaude dans le quartier. Mais il ne faut pas que je vous retienne. Je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut vous parler d'un vieil ami et voisin que nous avons bien connu. Qui a produit près de 3500 œuvres au cours de sa longue carrière. Celles-ci sont dispersées aux quatre coins du monde, spécialement aux États-Unis. Et remontons le temps. Nous sommes maintenant en 1947. Regardez, me voici toute jeunette, devant la maison de la rue de la Bernière à Weimar. Je viens de rejoindre Jean et Ismery, qui se sont installés ici au moment de la guerre. Pourquoi ici? Tout simplement parce qu'Ismery est la fille d'une personnalité locale, Madame Coutu, confiseuse, dont les Berlingots ont fait la renommée. Jean a commencé sa carrière avant la Grande Guerre à Montmartre, où il a fréquenté, autour du célèbre bateau Lavoir, que vous voyez ici, des inconnus qui allaient devenir des célébrités, comme Guillaume Apollinaire, Marc Jacob, Derain, Braque et Picasso, son parrain en peinture. Il a d'ailleurs exposé pour la première fois en 1914. Mais vous connaissez mieux, j'en suis sûr, son frère, Raoul, célèbre représentant du fauvisme. En 1936, Jean a aidé son frère à réaliser un gigantesque tableau sur la fée électricité. Que voici. Plus de 600 mètres carrés. Un record du monde à l'époque. Raoul en avait reçu la commande pour l'exposition universelle en 1937 et cette œuvre a connu un grand succès.
Alors, Jean a continué sa carrière de son côté et a touché à beaucoup de sujets. La vie et les vues de Paris. Les ports. Les paysages de France ou d'ailleurs. Le spectacle sous toutes ses formes. Les bouquets. Son bleu intense dit Jean Dufy est bien connu, regardez-le. Il a aussi obtenu la médaille d'or de l'exposition des arts décoratifs de 1925 pour le thème Château de France, illustrant des services de porcelaine de chez Avilan. Arrivé à Poyer, il en a profité pour peindre le bourg, comme ici, ou la campagne, alentour et les travaux de champ. Mais il travaille dans la pièce du bas, beaucoup trop sombre, et va partir à Bousset prochainement. Il y a trouvé une maison plus adaptée à son travail d'atelier, là où je vais le suivre. Heureusement, son œuvre va rester accessible grâce à Jacques Bailly, qui tient une galerie à Paris. Alors, tapez Jean Dufy. Sur ce truc bizarre, que vous appelez, je crois, iPhone, vous verrez. Mais je bavarde, je crois que d'autres personnages vous attendent. Et bonne visite à tous. Bravo. Mesdames et messieurs les voyageurs, je suis la mère Fougère, la patronne de l'auberge, heureuse de vous recevoir en ce 3 août 1750. Mais là-bas, je vois que les Parisiens, mais ils ont déjà fait le voyage l'année dernière. S'ils sont revenus, c'est qu'ils n'ont trouvé que ma soupe était bonne, ou pas que la patronne leur a tapé dans l'œil. Ah, allez donc savoir. Le temps qu'on dételle les chevaux, je vais vous donner des nouvelles de notre auberge, des bounes et puis des moins bounes. Je vais commencer par les bounes. J'ai pensé à votre délassement. Après ce long trajet sur 10 routes défoncées, j'ai installé un jeu de boules juste en face. Mais attention, ici on joue à cochonnet devant avec la boule franche en bois et bien ronde. Rien à voir avec cette boule mal foutue qui joue sur les bords de Loire, la boule de fort, comme ils disent. Et puis, j'ai que de jeux de cartes pour ceux qui veulent s'installer au frais avec une chopine de nos bons bretons. Vous pourrez jouer au brelan, au piquet et au pharaon, jeux qui nous viennent d'Italie. Et vous pourrez aussi pétuner. Vous voyez que chez nous, on est moderne. L'autre bonne nouvelle, c'est que chez nous, on ne vous empoisonne pas. Il paraît qu'ils ont ramené des Amériques des plantes bizarres aux fruits rouges qu'ils appellent des poules d'or. Et puis que les sauvages d'Amérique appellent des tomates. Et d'autres qui poussent sous terre et qu'ils appellent des patates. Rien que du poison, ben juste bon pour les bêtes. Ah, mais pas prêt d'en manger chez moi. La mauvaise nouvelle, c'est que le châtelain des hommes a été nommé responsable des routes. Vous diriez ministre des Transports. Nous, on dit surintendant. Mais l'idée est venue de monter dans son chantier un relais de poste, et puis pour un petit, le plus grand de France, tout ça pour gagner de l'argent sur les gens qui viennent de Paris à Bordeaux et en Espagne. Mais il avait juste oublié une chose, que la route Paris-Bordeaux passait à Loche. Eh bien, ce bout de châtelain, il a fait de ses pieds et de ses pattes pour le détourner sur Tours, pour qu'à penche chez lui, et plus tard, on l'appellera la Nationale 10. Oui, mais moi, avec tout ça, adieu Loche et une partie de ma clientèle,
il y en a bête pour les riches. Il ne faudra pas vous étonner si un jour il y a la révolution dans ce pays. Ben, assez, ben assez. Et la soupe vous attend. Comme le four à pain a chauffé, vous aurez des fouets aux rillettes de tour. Ça va vous caler l'estomac. La nuit va être agitée. Je vous rappelle que les petits coins, ils sont au fond de la cour, là. Bon, tout à l'heure, quand j'ai parlé de Pétunet, j'en ai vu qu'ouvrait de grands yeux. Je vais m'adresser aux messieurs. Quand vous bourrez votre pipe d'herbe à Nico, c'est pas pour Pétunet. Ah, je crois que les jeunes, ils vont mettre plus savoir causer le français. Ben dites donc, la toilette, vous avez vu tous ces gens sur la place de Lumiau? De leurs mots, comme ils diront plus tard. Il paraît que c'est des redingotes jaunes qui vont prendre le coche chez la mère Fougère pour porter leur cahier de doléances au roi à Paris. Vous m'en direz tant, la mère Michel, au roi, rien que ça. Et pourquoi pas au pape? Vous garantis qu'ils vont être marçus là-haut. Même nous, les paysannes du fin fond de la Touraine, on sait bien que la cassette royale, il t'en court plus vite notre garde-manger. Dame, c'est que la taille, la gabelle ou les aides, la TVA, comme ils diront plus tard quand ils parleront plus que par des sigles, ils savent bien nous les faire payer. Et nos écus, une fois arrivés à Paris, ils y restent et ils sont vite engloutis par nos seigneurs en costume de soie. On m'a dit que les redingotes jaunes voulaient demander des tabellions ou des écrivains publics pour les aider avec toute la paperasserie royale qui est tellement compliquée qu'elle en ferait perdre son latin à monsieur le curé. Moi, je dis que c'est une bonne idée, mon bonhomme. Eh ben, ils se rongent les sangs à chaque fois que l'agent du fils pointe son nez. Pas trop souvent à notre goût. Il y en a même qui voudraient qu'on les instruise pour qu'ils puissent se défendre tout seuls. Et là, je dis non. Car quand ils auront de l'instruction, ils fileront à faire les beaux à la ville. Et qui s'occupera des labours, des récoltes et des bêtes? Rien que des feignants, ça va faire. Peut-être. Mais quand on sait compter et écrire, on se fait pas rouler dans la farine par la meunière. Et qui sait, on pourrait même rouler le fisc. En entendant, on aimerait bien voir revenir un peu ici nos bons écus, sonnants et trébuchants, qui filent à Paris. Il paraît que Nostradamus a prédit que tout serait réglé en l'an 2019. Drôle de date. En tout cas, ils auront pas de la chance en ce temps-là. Parce que vous y croyez, vous, Faribole de Nostradamus? Eh ben, moi, pas. Et puis, en 2000 quelque chose, ça vous fera plus ni chaud ni fouet. Mais allez donc là-haut à la poterne. Je crois qu'il y a deux gars qui vous attendent pour vous parler du Brexit. Eh ben oui, c'est comme ça qu'ils disent les Anglais quand ils nous quittent. Et vous verrez, ça sera pas quelque chose de simple. Ça sent un peu léger, quoi.
bon, c'est un peu sombre, enfin bon. Peasants and servants, in this year of our Lord, 1369, approchez vos vassaux, mesdames et sœurs, dans cet an de grâce, 1369. I am the very famous Black Prince, Prince of Wales, Prince of Aquitaine, son of our great King Edward III of England. May God bless him. Je suis le très fameux prince noir, prince de Galles, prince d'Aquitaine, fils de notre grand roi Edward III de l'Angleterre. Que Dieu le bénisse. For more than 10 years, I've been battling in France to protect our English lands against the claims of the King of France. Voici plus de 10 ans que j'ai été roi en France pour défendre les terres anglaises contre les prétentions de le roi de France. N'écoutez pas l'anglois qui est venu semer la désolation dans notre douce France. Je suis, oui je suis, Bertrand du Guesclin, connétable de France par la grâce de notre bon roi Charles V. Il m'a appelé de Bretagne pour venir l'aider à reprendre les terres que nous avons dû abandonner suite à la bataille de Poitiers, à quelques lieues d'ici, et la cruelle défaite subie par l'armée françoise. Nous avons perdu une bataille, certes, mais que je sache, nous n'avons pas encore perdu la guerre, cette terrible guerre que vous appellerez la guerre de Cent Ans. La guerre n'est pas peut-être perdue, mais elle est bien mal engagée pour vous, monsieur le connétable. Après mes deux chevauchées victorieuse au travers du pays, j'ai donné à notre roi non seulement l'Aquitaine, mais aussi le Poitou, le Berry et la Satonge. Sans oublier le rançon de 3 millions d'écus d'or, soit 3 000 de vos euros, qui devait nous verser le roi de France, Jean le Bon, que j'ai fait prisonnier aux batailles de Poitiers. Les châteaux de Pré et de la Roche de Posay qui se dressaient sur mon route, ils ont conquis en nos luttes. And where were you during this time? On holiday in Spain, I was told. Et où étiez là dans le pendant le temps là? En vacances en Espagne, m'a-t-on dit. Si je suis parti en Espagne à la demande de notre roi, c'est pour y conduire les grandes compagnies, ces bandes de soldats sans solde qui pillaient et ravageaient nos campagnes. Suivant cela, votre triste exemple, mais me voilà de retour, et je saurais bien vous déloger d'une terre, messire prince noir.
Fi donc, seigneur le connétable, vous voilà bien présomptueux. Faut-il que je rappelle que vous n'étiez pas trois fois mon prisonnier et que le roi de France a dû payer une rançon d'environ 90 millions florins d'or, soit 3 millions de vos euros. Je me demande d'ailleurs si c'est bien fait de vous libérer quand je veux vous voir si ennuyeux. Mais vous continuez le combat sans moi. À mon tour pour partir en Espagne. Même si quelque chose me dit, je reviendrai bien malade. Mais vous pouvez toujours nous chasser d'ici. Hein? Long live the king. Vive le roi. Partez donc, beau seigneur. Je vais en profiter pour venir me frotter à ceux qui vous remplacent, vos amis. Le connétable de Douvres et le tout nouveau sénéchal du Poitou. Ça va chauffer pour eux, je vous le promets. Et ne comptez pas sur la rançon du roi Jean. Si vous en touchez le tiers, ce sera bien le diable. Mais demain est un autre jour. Je sais que l'on apporte à boire et à manger et que l'on ripaille à la santé des rois de France et l'Angleterre. Messieurs, dames, des petites explications. La guerre de Cent Ans s'était arrêtée, faute de combattants, pendant la grande peste noire qui ravageait l'Europe et fait 7 millions de morts en France. Le prince noir débarque à Bordeaux et mène une guerre éclair qui se solde par une cruelle défaite de l'armée françoise. Le prince noir mène cette guerre sous forme de chevauchée que l'on pourrait assimiler à des campagnes de razzia et de terreur. Le prince noir attrapera probablement la dysenterie en Espagne et, très affaibli, devra retourner en Angleterre et ne pourra plus revenir jamais sur le continent. Du Guesclin va entamer une patiente reconquête de territoires perdus. Mais la guerre n'est pas finie et se poursuivra jusque le siècle suivant. Les grandes compagnies étaient de petites armées constituées de soldats sans solde. Les finances royales anglaises étant à sec, elles vivaient sur l'habitant et semaient la terreur. Du Guesclin a entraîné une partie de ses grandes compagnies en Espagne, où la guerre de succession était en cours et avait besoin de combattants. Enfin, le connétable de France était le chef des armées, le deuxième personnage dans l'État après le roi. C'est aussi un accent de Touraine et que celui-là est encore bien vivant. Et j'ai aussi une pensée pour Roger Lezot qui a fondé en 1966 notre association et qui est sûrement aux anges là où il est actuellement et qui doit être très heureux.